Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec ta chaîne, prendra la route. Michel Strogoff, après divers sauvages, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec ta chère Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand quel beau paysage, les amis. Enfin, c'est surtout Nadia qui peut l'apprécier. Tu sais, il me reste les oreilles pour entendre le vent de la steppe et le nez pour sentir l'odeur de l'herbe. Nadia doit absolument rejoindre son père à Irkoutsk. Il attend l'arrivée de sa fille depuis longtemps. Ne pourrais-tu pas accélérer l'allure? Ce n'est pas à toi que je dois expliquer que qui veut aller loin doit ménager sa monture. J'insiste, petit frère. Faut absolument que Nadia arrive avant les Tartares. Sinon, elle ne reverra jamais son père. Oui, je comprends la situation. C'est pour la bonne cause. Bien. Ah ! Courage ! Ah ! Ah ! Regardez, on dirait que Serko peut faire la course avec le cheval. Je veux être présent au moment des retrouvailles de Nadia et de son père. Ce sera ma récompense. Ce sont toujours des instants de grande émotion. De quoi parlez-vous tous les deux? De la steppe, Nadia, de la steppe qui est si belle, n'est-ce pas, Nicolas? Ça, pour être belle, elle l'est. Belle comme Nadia. Il n'y a pas âme qui vive, on dirait. Que voyez-vous? Lady, petit père, rien? Oui, personne. Tout est désert. Désert. Je commence à avoir faim. Patience, petite sœur. Tiens, voilà une auberge. Oh! Attendez-moi un instant, je vais voir si je peux trouver des provisions. Sois prudent. Pas laisser une miette de nourriture. Peut-être qu'avec un peu de chance. Oh. Il en met du temps. Ah. J'ai trouvé des vivres. Ah. Tu peux être fier de toi. Regardez. Mes amis, au moins, nous ne mourrons pas de faim. Oh, merveilleux! Des pogacha. Ne mange pas tout, petite sœur. Je sais que tu es gourmande. En avant, mon beau! Yeah yeah. Oh, ils sont délicieux! Oui, excellent. À mon avis, ils ont été faits tout récemment. Quand vous aurez fini de parler, vous pourrez m'en donner un. La route est longue. Chante-nous quelque chose, Nadia. J'ai peur d'effrayer le cheval. Nadia a dit cela parce qu'elle est trop modeste. Allez, Nadia, chante-nous quelque chose de beau. Une jolie chanson. Oh non. Arrêtez de vous moquer de moi, tous les deux. Je sais bien que je chante faux. Chante plutôt toi. Continue. Ah,
calme, tu calmes, Momo. Les rennes m'ont échappé. Le cheval s'emballe. Attention, accrochez-vous. Mais calme-toi, mon bon. Arrête. Tu meurs, Michel. Arrête. Nicolas. Nadia, que fait Nicolas? Il a sauté sur la croupe du cheval. Voilà. Voilà, c'est fini. Vous n'aurez plus à avoir peur. C'est un brave cheval. Nicolas, que s'est-il passé? Un lièvre. C'est un lièvre qui a traversé la route. Nicolas est blanc comme un linge. On dirait qu'il a vu un fantôme. C'est un peu ça, oui. Comment ça? Dans certaines provinces de Russie, lorsqu'un lièvre traverse la route devant une charrette alors qu'on est en train de chanter, ça porte malheur aux passagers de la charrette. As-tu peur, petit frère? Pas du tout. Alors moi non plus. Ah. Ne crains rien, petit frère. Nous sommes à tes côtés. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Tiens, regarde, Serco revient la tête basse. Qu'est-ce qui t'arrive, mon mignon? Viens, approche. Il n'a pas réussi à attraper le lièvre. Allez, Serco, monte, en route. Yeah. Ça va, petite sœur? Tu n'as plus peur maintenant? Non, j'ai confiance en Nicolas. Il y a quelque chose d'étrange par ici. Qu'as-tu, petit frère? Je n'aime pas cette odeur. J'ai un mauvais pressentiment. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi aboie-t-il comme cela? Oh, oh! Alors, Serco? Qu'est-ce que tu as trouvé? N'approche pas, Nadia! Oh! 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 Quelle horreur! Oh! Nicolas, que se passe-t-il? Nadia va bien? Nicolas! Dites-moi ce qu'il y a! C'est atroce! C'est terrible! Comment peut-on faire cela à un être humain? Ils ont mutilé un moujik! Nicolas, laisse-le! Dépêchons-nous! Si les traces sont fraîches, c'est que l'ennemi est tout prêt! Les traces sont fraîches, tu as raison. Partons. Remontons vite. Réveille-toi, Nadia. Nadia, il faut repartir. Vite, je sens de la fumée. Ton odorat est sûr, Michel. La ville est en flammes. Mais nous ne pouvons pas partir sans enterrer ce pauvre moujik. Non! Ce n'est pas possible, il faut fuir. Dépêche-toi. Non, il faut l'enterrer. Viens, Nicolas, fuyons. Ya! 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 Quelle désolation.
relation. Michel, si tu pouvais voir. J'ai mon nez, ça me suffit. Écoutez. La ville est encore en feu. Peut-être est-il encore temps de changer de route. Nadia, Nicolas. Oh, on ne bouge plus. Non. Donnez-leur des chevaux. Ne faites pas les malins. Obéissez. Allez, montez. Moi aussi, la fille. Allez, l'aveugle. Dépêche-toi. Le lièvre. Le lièvre. Non, pas le lièvre. Une guerre comme une autre. C'était donc toi, le héros de l'attaque à Tomsk. Tu pensais t'enfuir. Le colonel Ogareff avait raison en te laissant partir. Il savait bien que tu n'irais pas loin. Va exciter son cheval, allez! Nous allons voir si t'es un bon cavalier. Michel! Non! Arrêtez! Vous n'avez pas le droit, c'est trop cruel! Regardez comme il danse! Vous êtes des monstres! Michel! Salut à toi. Salut. Ami, nous vous avons vu arriver de loin. La ville de Chibarlinskoï a été désertée. Mais trois de mes amis et d'autres tartares sont en train de récupérer ce qui a été oublié. Oh, mais je les reconnais. Ce sont eux qui nous ont brûlés. Serais-tu d'accord pour nous les laisser un peu, histoire de se venger? Ils sont à vous. Commençons par la petite demoiselle. Ne la touchez pas! Faites-en ce qu'il vous plaira! Non! Oh. Approche. Laissez-la. On t'a dit de la laisser tranquille. Imbécile. C'était
C'est bien joué, Blanc-Bec. Non. Ligotez-le. Michel! Michel! Ne le laissez pas partir! Rattrapez-le! Assez perdu de temps comme ça. Lis-lui les mains. Attache-le à mon cheval et partons. Nous sommes prêts. En avant. Yeah, yeah. Faites une inspection de la ville. Fouillez partout. Oh, c'est beau, ça. Hey, donne-moi ça, toi, allez. Sortez maintenant, ça suffit. Tu peux tout brûler. Descends de là, toi! Non! Oh. Elle a l'air d'avoir mal, la petite demoiselle! Allez, profitez du pillage! Allons vider les cuisines du tsar! Oh.
Reste là. Nous reviendrons te chercher, ma jolie. Ah. Allez, en route. Michel. Où est Nicolas? Ils l'ont emmené avec eux. Eh bien, petite sœur, nous voilà seuls. Oui. Oui, petit frère. Mais notre ami reste prisonnier des Tartares. Michel Strogoff, son col et pas le doute. Michel Strogoff.